Et salut à tous, c'est Ghostnet85, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Mine of War. Non, The Sword of Mine of War, mais putain, pardon, excusez-moi, je suis pas à fond là, parce qu'on a perdu nos deux bonhommes, Arnica et Bruno. Arica, pardon, on va l'appeler Arnica, hein, comme j'ai dit, c'est Arica, mais on l'appelle Arnica, parce que Arnica, c'est le truc que tu mets là, je sais plus ce que c'est, enfin bref. Là, ça va être la nuit. Roman, il est prêt à y aller là. Il est déter. Et il vaut mieux qu'il le soit. Parce que là, faut chercher de la bouffe. Faut chercher tout. Faut qu'on reconstruise des munitions. Il y a tout à refaire là. Là, on n'a plus rien. On a un pistolet et à peu près 12 balles. Mais c'est pas avec 12 balles qu'on va faire quelque chose. J'ai bien fait de pas partir avec le deuxième pistolet. Parce que sinon, on aurait été mort. Enfin, bref. Allez, Roman. Roman, là, il vient de dormir, il est déter, truc de fou. Partir collecter, bah ouais, petit immeuble. Alors ça, mon gars, je m'en souviendrai. Maison mitoyenne, mais danger, mais bon. Allez. Allez, allez. Tout cela quand je m'achèterai une maison. Non, 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 non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! J'imagine bien le type. Il se barre. Il traverse tous les snipers de l'univers. Et il arrive. Mais non! Mais non! Et là, on a été pillé. On a été pillé. Ouais. Ok, ne perdons pas. Non, ne perds pas espoir. Tu vas les venger, t'inquiète pas, on va les démonter. Moi je te le dis tout de suite. Ils nous ont cherché, ils vont nous trouver. T'inquiète pas, Roman. C'est pas ta faute. Tiens, prends du crochetage. Ouais, prends du crochetage là. Fais du crochetage, on va les crocheter là. On va crocheter leur figure. Je sais que t'as faim, Roman, je sais. T'inquiète, le jour prochain, tu vas manger. Écoutons la radio. La musique. Si vous vivez à Pogoran, restez chez vous et fermez vos portes à clé. Des groupes armés ont envahi les rues. La plupart d'entre nous sommes incapables de commencer la journée sans une tasse de café à Pogoren. Le café est devenu une denrée quasiment un trou var. Les prix ont explosé, ce qui profite aux spéculateurs. De la musique classique. L'air est frais. Voilà. On est tellement mal. Ok. T'inquiète, Roman, il y a des gars, ils vont venir t'aider. Je saigne, mais juste un peu. Gros, je t'ai quand même donné trois bandages. Va pas non plus abuser. Quelqu'un à la porte. Allez, dis-moi que c'est quelqu'un qui rejoint. Attends, 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 attends. Allez, dis-moi que t'as rejoint le refuge. J'ai besoin d'aide. Oh! Une famille! S'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai besoin de votre aide, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. J'ai dû quitter ma maison avec ma fille et ma soeur, mais je connais des gens qui me doivent un service. Il faut juste que je les trouve et que je m'arrange. Et ils me donnent quelques. Et je vous donnerai quand je vous reviendrai chercher mes filles. Vous donne une fière chandelle. Ah, dans quoi?
ces gens. Viens, 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 viens. Viens. Mais tranquille, mon petit. Non. Elle, Lydia, on peut jouer tous les deux? Oh ouais, vas-y. Ça va être marrant. Non, je n'ai pas envie de jouer. La pauvre, pourquoi, que se passe-t-il? C'est juste, j'ai peur, s'il te plaît, ne sors plus la nuit. Mais je le dois, faut que je venge mes amis. Je n'ai parfois pas le choix, mais je vais essayer de rester ici ce soir. Ok. Irena, t'as le droit de... Lydia, nièce d'Irena. Allez, rentre maintenant, parce que là, boum, tireur d'élite, boum. T'es mort. Je mangerais bien quelque chose. Oh, trop mignon! On a une petite fille! Qu'est-ce que tu as eu pour ton anniversaire? J'ai eu une poussette avec ma poupée et un t-shirt avec une princesse dessus de la part de mon papa. Je ne sais pas ce que maman va m'offrir. Elle ne vit plus à la maison et maintenant elle ne nous retrouvera jamais ici. Papa a dit qu'il lui a laissé un message mais qu'il ne savait pas quelle était... Qu'il ne savait pas quelle était la bonne adresse. Mais il a dit qu'il trouvera un moyen. J'espère qu'elle reviendra et qu'elle sera avec moi même si elle n'a pas de cadeau. Je sais que c'est dur de trouver des cadeaux maintenant. Oh, quelqu'un qui comprend. Elle devrait aller à l'école avec les autres enfants, saleté de guerre. Elle était pas son père, hein. Pauvre Lydia, elle aura vécu des moments difficiles. D'abord, sa mère l'abandonne et maintenant cela. Il y a tellement de gens cruels dans le monde et dire que la mère de cette adorable est l'une d'entre elles. Non. Je lui ai promis, hein. Ok, je lui ai promis que je resterai ici, donc on va rester là cette nuit, on va se défendre. Wow, la petite! Oh, c'est trop mignon. Ce n'est pas une bonne journée. Attends, tu viens de trouver... Attends, va dormir, toi. Putain, par contre, il nous faut 3 fois plus à manger. Enfin, 2 fois plus à manger. Ok. On va pas construire des balles? Tiens, tiens, tiens. Putain. Ah, les cancers. Où est-ce que je dors? En haut. Trop mignon. Ah, j'y croyais pas. Pourtant, bah si, enfin c'est The Little, c'est la version The Little Ones, mais j'y croyais pas, quoi, que... J'y croyais pas. Ah, il est moins triste.
Ah, je suis un peu choqué. Il y a des rats ici. Cours, il y a des rats! Attends, elle est productive? Je pourrais tout faire moi-même. Ouais, c'est ce que je me disais. Ah, Irena, vas-y. Irina, pas Irena. Tu peux pas faire une cage à rats? Non, c'est pas là, là. Non, j'aurais bien évité. Ok, non, alors, Irena. Montez la garde. Tu montes la garde. Irena, tu pars. J'espère que son père revient le lendemain. J'aimerais bien avoir quelqu'un d'utile. Ok. Rien. Ah, c'est deux personnes âgées. Excusez-moi. Non, non, je te laisse ça, je te laisse ça. Arrête de me rabâcher, j'ai besoin de manger. Écoute, je prends juste ça. Je te prends juste ça. Juste. Je t'en... Mais gros, mais lâche-moi! Attends, là t'es... Je t'en laisse, et la tête de Wham. Je crois que je suis suffisamment gentil comme ça. Gros, je les ai laissés les médicaments de ta femme. Je te les laisse tes médicaments. Et des simples médicaments à base de plantes, parfois ils aident, parfois non, c'est toujours mieux que rien. Ok, je suis gentil, je prends le truc qualité moindre. Laisse-moi tranquille maintenant, je me barre. Non, 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 non. Il est derrière, tranquille. J'ai besoin de ça. Je te laisse le tabac. Putain, il me faut des outils. Bouge. Mais bouge! Je t'ai pas hargneux, toi et ta femme. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non mais oh. Apitoyé sur ton propre sort. J'aurais pu être vachement plus connard à tout prendre ta bouffe. Putain, je suis gentil avec toi parce que tu m'as rien fait. Éviter le pire. Bah ouais, éviter le pire. Putain. Quelqu'un t'a fait mal, Lin? Non, non, non.
Est-ce qu'il reste de la nourriture à quelqu'un? Il faut que je mange quelque chose, peu importe où et comment. Allez, maintenant tu montes. Oups. Non, putain. India, viens me voir, je vais t'apprendre quelque chose. Tu peux m'aider, l'India? Oh, si c'est pas mignon. Ah, il y a mon petit griffonou qui m'invite. Que c'est vraiment utile? Allez. Le bois est ce qu'il y a le mieux, mais s'il n'y en a pas, tu peux utiliser des livres ou d'autres composants. C'est trop mignon, laisse tomber. Des livres. Et quelqu'un à la porte. T'es qui toi? Bon, merci de nous avoir protégés. Ma soeur et son mari sont venus nous rendre visite. Ils vivent dans une autre partie de la ville et nous ont proposé de rester avec eux. Je pense que nous y serons plus en sécurité, mais avant de partir. Oh! Oh! Oh oui! Non. Je ne peux pas aller à l'école et voir mes amis, je ne peux pas jouer dehors. Oh. T'es comme ça, t'es pas bien, t'es pas très bien quoi. Ah putain, vu que c'est pas Bruno, t'en as besoin de deux. Allez, roman. Allez, écris-nous un petit roman. Ah non! Je pourrais jouer avec mes amis. Oh putain, j'ai pas lu. J'ai pas lu avant. Bien sûr que oui. Putain, mais ils seront morts, ces amis. Heureusement que Arnica n'est pas revenu avec le bilan pédiatrie là, avec tous les enfants qui sont morts. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Prends ça, tu vas dormir. T'as faim, c'est pas grave, y a à manger, y a tout ce qu'il faut. Heureusement que t'as ce livre. Je crois qu'Irena retournera aller chercher des trucs. Toi, va dormir. Allez, la douleur devrait vite se calmer. T'as besoin de beaucoup de repos, t'as faim. Tiens, bouffe ça. Je n'ai plus envie de jouer avec ça aujourd'hui.
Allez, va vite te dormir, tu vas dormir pendant 4 bonnes heures. Oui, ça ira, arrête de te faire du souci. On dirait qu'elle danse, wesh. Elle lâche un dab, sauf qu'elle lève pas le bras gauche. Mon estomac gargouille. Écoute, on est en temps de guerre. En temps de guerre, tu peux pas manger tout ce que tu veux. Tu crois que les juifs, eux, ils pouvaient manger? Non, ils avaient pas le droit. Eux, ils mouraient. Tu penses aux juifs? Tu penses aux juifs? Les pauvres. Merci. Nous devons rester sur nos gardes. J'ai peur que les bandits ne fassent que tester nos défenses. Ok, Lydia. Putain, je suis trop content. 10 balles, elle nous a donné. 10 balles. Oh, mais attends. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. 10 balles, 10 balles, 10 balles. Tu sais ce que c'est? On fait avec 10 balles. Vous avez vu? Vous avez vu? Un fusil. Allez, finis de construire ton fusil. Allez hop, la nuit. Merde, putain, on est un peu trop dépassé, hein. Ouh. Enfin bref. Non, roman, 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 roman. T'as besoin de beaucoup de repos. Toi, tu vas monter la garde. Et on va rester. On va pas chipoter cette nuit. J'espère que tu sais tirer à l'arme, hein. Et ça, c'est nice! Le pire lors des combats, c'est qu'il est impossible de savoir si l'homme à côté de vous dans la rue travaille pour l'ennemi. J'ai dit à mes hommes de faire particulièrement attention. Mieux vaut tuer un de plus que de laisser l'enfoiré vous prendre un revers et vous poignarder dans le dos. Il a raison. Ok, Irena, tu peux dormir. Dommage, il n'y a pas de clope, désolé gros. Bon. On va les faire dormir et on va s'arrêter là parce que là je pense qu'on va dépasser le... Enfin, je pense qu'on est à... Ça fait un petit bail. Tu veux jouer petite? Non. Je ne suis plus une... Attends, regarde juste la fin. Ça va, j'ai compris. Alors? J'ai besoin de parler. Parler de quoi? T'as un amour en secret? Mais il est mort! Est-ce que les soldats vont s'en aller un jour? Oui. T'en fais pas. Ok. Oh. Et j'adore ce jeu, un truc de fou. C'est quand même la dernière fois que... oh oui, toi je t'aime. J'ai besoin de bois surtout. Le café, café. Oh, putain, j'ai pas de café, j'ai plus rien. J'ai rien, un truc de fou. C'est un nounours. Et un petit Victor Hugo.
Avec un petit outil de crochetage et je veux du bois. Je peux pas en avoir un peu plus? Si je te donne du sucre. Il est possible de faire de l'alcool de contrebande sans sucre, il est indispensable au processus. La générosité. Ah, par contre. Ça, j'en étais sûr. Allez, marché conclu. Non, mais désolé, les castors, moi j'attendais quelqu'un d'autre. J'attendais que le père revienne parce que ça me fera un peu mal que Irena meure. J'ai peur, je ne veux pas que ces gens reviennent. Il faut les empêcher de revenir. Allez, Roman. Mon estomac gargouille. Ok, il nous faut des ressources. Allez hop. Allez Roman. Toi tu montes la garde et toi tu pars collecter. Putain, mais en fait, tout ce qu'il y a là, c'est dangereux. Ok, on va à l'école. On va à l'école. On prend un pied de biche et on y va. Ça rend mal, un truc de fou. Ok. Hop. C'est barricadé de l'autre côté. Ah non, Sloob, arrête de m'inviter, j'arrive. Je fais la vidéo et j'arrive. Ah putain. Oh vas-y, y a trop. Oh là, oh c'est grave long. Putain, faut pas qu'on passe toute la nuit. Allez, 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 allez. Ça prend un temps de fou sans pelle, bah ouais. J'ai pas construit de pelle. Allez, allez, putain, on est qu'à un quart. Non, c'est un rat. Oh, derrière moi, c'est quoi? Y'a quelqu'un qui est rentré derrière moi? Non, ça doit être un rat. J'ai un pied de biche pour me défendre. Il monte, il descend. Non, en bas là, juste en dessous de nous, c'est un rat, on le voit. Par contre, encore en dessous, je sais pas. Et la tête de Wam, je suis prêt à le démonter. Ils ont démonté tous mes deux potes là. Ils ont démonté Arika, et Bruno. Alors là, la tête de Wam. S'il y en a un seul, si Roman il meurt. Il a pas intérêt. Là. Pardon, excusez-moi, l'enregistrement fait plus de 30 minutes, donc ça a coupé. Bon, pas de soucis. On va arrêter après la nuit. Hop. On va récupérer un peu plus de trucs. On va regarder s'il n'y a pas quelque chose là.
En fait, là, il nous manque juste des matériaux. Hein. Ouais, allez, on descend. On descend. On regarde ce qu'il y a là. Ok. En fait, l'école, elle est nice. Ok, vas-y, retire ça. Ok, il est minuit 50. Tu pourrais essayer, ça prendrait trop de temps. Ok, on se barre, on se barre. On va pas se barrer par là. Ok, là on fait gaffe. Il est toujours là. En dessous c'est un rat, je crois. C'est un rat, tranquille. Roman est de retour. Il est de retour à la maison. Jour 16. Ne dis pas qu'on s'est fait piller parce que là ça va m'énerver. Non, il a l'air trop content. Bande de fils de pute. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, elle veut pas jouer, gros. Ah, de légères blessures. Et on n'a pas assez de trucs à manger pour tout le monde. Faut sauver la petite. Si le père il revient et qu'il voit que la petite. Faut tuer Lydia. Enfin non, pas Lydia, Irina. Mais la petite, elle doit pas mourir. Allez. Bah oui, ce sont les enfants qui souffrent le plus dans la guerre. Allez, donne-lui ça. Moi je dis Roman, c'est le nouveau père de l'India. Irina, on s'en fout. Est-ce qu'il y a du dessert? Allez, dis-moi que si c'est des légères blessures. Elle bouge toute seule, hein, c'est pas moi. Hein. Je regarde ce qu'on peut construire avec le nouvel. Wow. Ça faut qu'on le construise.
C'est hyper important. Comme ça, t'as les bandits qui se ramènent, bang bang bang. Oh non! J'aurais jamais dû les donner. Tiens, je vais t'enseigner à faire un sofa. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, là, je suis vraiment à fond dedans. Hein. J'ai vraiment pas envie que la petite Lindy, elle meure. Irina, c'est pas que je m'en bats les couilles, mais un peu. Mais enfin, bref, on va faire dormir Roman et on va s'arrêter là. Là, en fait, tout à l'heure, j'avais dit. Enfin, dans le troisième épisode, j'avais dit que c'était la fin de la session, mais j'ai tellement pas pu m'en empêcher que j'ai continué. Là, ça va être vraiment la fin de ma session. Là, je vais. Enfin, bref. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Si vous n'avez pas aimé, laissez un pouce rouge et dites-moi pourquoi. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao!